Good morning, allez, Idan et Sisra, aujourd'hui, le Nishmat Avram Mordechai Ben Israël, Vefani David Ben Fortuna Mazal Fritna et Dvorah Bat Esther. Si vous souhaitez vous aussi dédier une prochaine étude de Misha, contactez 5 minutes éternelles. Nous étions Masarat Kdouot, Perektet Mishnah Bet, Mishamet Veniach, Isha ou Baal Chov, Ve Yorshin, Ve Ayalo Pikadon, O Milva Beyad Acherim, Rab Tarfon Omer, et Natnou la Koshel Shevaen, Rabbi Akiva Omer, El Merachamin Bedin, El Ayn Natnou la Yorshin, Jekolam Tsrichin Shvua, Ve En A Yorshin Tsrichin Shvua. Mishnah, avec un nouveau sujet qui n'a aucun rapport avec la Mishnah précédente. Mishemet, quelqu'un qui décède. Vehiniach, Isha ou Baal Chov Veyorshin. Et maintenant, il a laissé une femme et des créanciers et des héritiers. Vehayalo Pikadon. Et il avait un dépôt, un bien lui déposé chez quelqu'un, un étranger. Ou au Milva, ou encore une dette, de l'argent qu'on lui devait. Beyad Achim, dans les mains de quelqu'un d'autre. Donc, je reprends la situation. On a en fait Yaakov qui décède. Maintenant, lorsque Yaakov décède, il s'est engagé à payer une ktouva à sa femme Rachel depuis qu'il s'est marié avec elle. Il avait déjà dit que le jour où il décède, il s'engage à lui laisser une certaine somme. À part ça, il avait des dettes envers son ami Moshe. Et à part ça, il a laissé des enfants, Reuven et Shimon, qui doivent l'hériter. Alors là, il faut faire de l'ordre, là. Il y a 100 000 shekels en fait qui est imaginaire, on va dire comme ça, qu'il y a une dette de. Il a, à part ça maintenant, à part le fait qu'il avait emprunté qu'il devait l'argent à quelqu'un, il avait aussi prêté de l'argent à quelqu'un d'autre. À part Moshe, il avait prêté de l'argent à Aaron. Et donc maintenant Aaron, il lui doit 100 000. Maintenant Aaron, il est là pendant les Shiva, il vient nous dire mais je dois 100 000 à votre père. Et là d'un coup, la femme, elle tourne la tête, et les enfants qui ont les yeux qui font jackpot, et le créancier qui était biduc là en train de leur faire, et chacun il a ses dit bon, c'est super, je vais récupérer mon argent. Et la question, elle est, à qui ce Baal Chov doit-il rendre cet argent? Aux héritiers, à la femme ou aux créanciers? Et il y a sur ça une marloquette relativement, pas complexe, mais il y a une petite finesse quand même. D'accord? On va y aller doucement, mais en tachem, Rav Tarfon d'abord. Alors, Vaïlo Pikadon, Omilva, Beyad Acherim. Donc il avait, comme on a dit, un gage, il avait laissé de l'argent en gage, ou encore, il avait prêté de l'argent, Beyad Acherim, sur une tierce personne, chez une tierce personne. À qui on donne l'argent? Rabbi Tarfon Omer, Rabbi Tarfon dit, Inatenu la Koshel Shebaen. Il faudra donner cet argent au plus faible d'entre eux. Alors là, c'est qui le plus faible d'entre eux? Il y a deux avis dans la Gemara. Est-ce qu'il s'agit en fait de celui qui est le plus faible de nature ou le plus faible en droit? Soit, vous savez que, à l'époque, aujourd'hui c'est un peu différent. Parce qu'aujourd'hui, on enregistre les biens en cadastre, avec même les dettes qu'on a, on peut engager les biens au cadastre, au tabac. Et on engage, on écrit une aratazara, on est, enfin, mashkon, mishkun, on engage les biens. Mais initialement, imaginez, je vous prête 100 000 shekels, et maintenant j'ai envie d'avoir une quelconque assurance, qu'en cas de problème, je peux récupérer facilement mon argent. Aujourd'hui, on va voir un avocat, et il va écrire un mishkun. Mishkoun, il va être Memashken, votre maison, à moi, que j'ai un droit sur votre maison de, comme on a dit, 150 000 shekels, j'ai le droit, je suis le premier à récupérer l'argent de 150 000 shekels, on va faire sous forme de Harat Azara, on ne va pas rentrer dans les détails, des unions entre les deux, c'est le même principe. Maintenant, à l'époque, il n'y avait pas de cadastre. Donc, chacun il était maître de son bien pour prouver que c'était le sien. De ce fait, lorsque un homme, si jamais j'emprunte de l'argent, on est en 5783, je veux maintenant emprunter de l'argent. Je vais prêter de l'argent à quelqu'un. Je vais prêter de l'argent en 5783. Je vais lui dire, écoute-moi mon ami, je te prête de l'argent, mais tu engages tous tes biens depuis cette date de Hadar 5783, tous les biens que tu as, ils sont tous engagés pour le règlement de ma dette. De ce fait, l'ami, il a un terrain à Haïfa, une maison à Be'er Sheva, tous les biens qu'il a, pour le moment, ils sont tous engagés par la dette qu'on a eue, j'ai ma dette qui est signée, qui est prouvée. Et la vie, elle continue depuis. Passe 5 ans, 10 ans, 12 ans, et finalement, je vais récupérer ma dette, il n'a plus d'argent pour me payer. Eh bien, on va dire, écoute-moi, depuis Hadar 5783, tous les biens qui ont été vendus, j'avais un droit, j'étais prioritaire pour récupérer ces biens. Tu les as vendus, et ce bien a été revendu à quelqu'un d'autre, revendu à quelqu'un d'autre. Moi, je vais voir, je lui dis, écoutez, ce bien-là, il appartenait à Reuven, qui m'a emprunté l'argent, 5183, il n'a pas d'argent pour me payer, je le récupère. D'accord? C'est un bien qui était engagé. Ok?
De ce fait, maintenant, alors il y a maintenant deux avis, comment interpréter la phrase de Rabbi Akiva qu'on va donner au plus faible. Il y a d'abord un premier avis qui va me dire non, le plus faible c'est la femme, parce que de nature générale, la femme elle est faible, elle ne peut pas partir se battre en train de prouver à qui est-ce que le s'appartenant au mari ou pas mari, on va essayer de lui clouer le bec facilement, on va l'envoyer promener. Alors donc on donne premièrement dans les Shiva, on a dit l'autre il reconnaît qu'il a une dette, qu'il doit payer 100 000 shekels, donne-la à la femme et laisse l'autre là, le créancier là, lui aller se débrouiller avec. Pour casser les dents des éventuels acheteurs et revendeurs de Haïfa et de Be'er Sheva. D'accord? Il y a un autre avis qui nous dit non, non, non. C'est pas qu'on va donner à la femme, on va donner plutôt à celui qui a le moins de pouvoir. Soit, imaginez que la femme, elle s'est mariée depuis 5760. Ça fait déjà 23 ans. Et l'autre, il a emprunté l'argent depuis 5772. Il y a eu 12 ans d'écart. L'autre, il a moins de pouvoir. Le créancier a moins de pouvoir que la femme. Parce que lui, le créancier, il est limité que pour les 11 dernières années à trouver un bien. Alors que la femme, elle peut plus facilement trouver des biens sur 23 ans. C'est beaucoup plus large. De ce fait, on va donner justement au créancier, à celui qui a le shtar le plus tardif, plutôt que. Et laisser l'autre débrouiller à partir trouver des plus anciens acheteurs, parce qu'il aura plus de potentiel pour récupérer son argent. D'accord? Ça, c'est les deux avis. Deux avis, comment interpréter Rabbi Tarfon? C'est qui le Kochel Sheben? Le Kochel Sheben, c'est le plus faible des deux. Rabbi Akiva, mais Rabbi Akiva nous dit non, En merachamin bedin. C'est quoi cette histoire que tu vas donner aux plus faibles? Depuis quand on s'intéresse dans la Torah à donner aux faibles? Dans la Torah, on ne donne pas aux faibles. Quand c'est le moment de faire du din, on donne à qui revient de droit uniquement. On ne fait pas de concession parce que c'est même un interdit. Ouais, imaginez, je suis juge et j'ai un riche et un pauvre qui viennent. Je ne peux pas jouer à Robin des Bois. Je ne peux pas mettre à donner raison aux pauvres comme ça. Le riche, de toute façon, il a plein d'argent. C'est pas. Din protak et din mea. On doit trancher la halakha comme ce que la halakha fixe, et il n'y a aucune raison de donner au plus faible. Et maintenant, sur ça, Rabbi Akiva va nous dire dans ce cas-là, En mera chamin bedin, et là, il faudra donner aux héritiers. Pourquoi les héritiers? Alors là, on va y arriver tout de suite. Mais d'abord, il nous pose un axiome. Chez Kulan tsrichin shvua, ven ayorshin tsrichin shvua. Parce que les héritiers, parce que tous doivent, pour venir récupérer leur argent, ils doivent venir jurer, tandis que les héritiers n'ont jamais besoin de jurer. D'abord, on explique de quoi il parle. Rabbi Akiva, après, on va l'adapter dans notre Mishnah. C'est pas compliqué, en fait. Il y a tout d'abord les héritiers. Lorsque Yaakov décède, tous les biens qui appartenaient à Yaakov, ils appartiennent maintenant à ses héritiers. D'accord? À son fils, ses deux enfants, il y a Reuven et Shimon. Débarque maintenant un créancier. Il nous dit, regardez, j'ai votre père, là, il me devait 100 000, donc payez-moi 100 000. On va pas lui dire, non, je te fais un chèque tout de suite, ça va pas. D'abord, tu jures. Peut-être que mon père, il a payé. Peut-être que je ne sais pas ce qu'il y a eu, peut-être que la dette elle a été annulée finalement. Tu dois jurer que le shtar il est encore en vigueur. Idem pour la femme qui vient récupérer sa ktouva. Peut-être que papa il lui avait laissé des biens, il lui avait acheté un beau bijou, il lui avait dit garde-le comme ça en cas de problème ce sera ta ktouva. Peut-être que tsareat pc ça s'appelle dans la Gemara, peut-être qu'il lui a donné des biens mobiliers à déjà garder en gage. Alors elle doit jurer de nouveau. Donc vous constatez que quoi? Que les héritiers, eux, ils héritent sans jurer. Ils n'ont jamais besoin de jurer les héritiers. Les héritiers, tout ce que le père il avait, ça appartient directement aux enfants. Tandis que les autres, ils doivent venir se battre et prouver que ça leur revient de droit. Selon ce principe, Rabbi Akiva, il va me dire, c'est pour ça qu'il faudra toujours les donner aux héritiers. Parce que, en merachamin, et parce que c'est à eux que ça revient de droit. Alors là, il faut ajouter un petit élément qui n'est pas écrit dans la Mishnah, c'est qu'en fait. Les métaltelein lo mishtabde. Métaltelein lo mishtabde les ktouva velo le balchov. Les biens mobiliers ne sont pas engagés pour payer les dettes du balchov. En fait, la vraie motivation de Rabbi Akiva, c'est plutôt ça. Ça commence par là. Que lorsque Yaakov me doit de l'argent, il me doit de l'argent et j'ai un droit de venir récupérer de ses biens. C'est vrai. Si Yaakov décède et je veux venir récupérer l'argent de ses enfants, ce ne sera que de ses biens immobiliers que je pourrai récupérer. Mais s'il a laissé des biens mobiliers, même plein d'argent, il a laissé des liasses d'argent entière, et que les enfants héritent, ils n'ont pas d'obligation de me le donner. Ils ont une mitzvah de me payer. Ouais, ça les engage que à eux, et à leur bon sens, et à leur désir de faire le bien. Ils ne sont pas obligés de me le donner, moi j'ai pas le droit de le réclamer. J'ai pas le droit d'imposer, je ne peux pas imposer qu'ils me payent avec les liasses de biens qu'il a laissés. Des biens immobiliers, je peux imposer de faire une saisie parce que ça me revient. Parce que toujours, c'est les biens. C'est pour ça qu'on appelle Nadlan. En hébreu, on utilise souvent le mot Nadlan. Nirsé de l'onaïdé. Des biens immobiliers, ils ont la possibilité que c'est des Nirhassim
Chez Yeshlem, Achariyout, c'est des biens qui ont. On peut mettre des gages. En deux mots, on n'engage toujours que les biens immobiliers, jamais les biens mobiliers. Même sa voiture, on ne peut pas la récupérer. Selon ce principe, c'est la vraie motivation de Rabbi Akiva, qui nous dit, écoute, la femme avec sa ktouva et le créancier avec son shtar, tout ça, ils n'ont aucun droit sur les biens mobiliers. Or, si on a laissé quelque chose en gage, ou si c'était de l'argent qui était prêté, c'est des biens mobiliers, tout ça. Les enfants, ils n'ont pas d'obligation de le faire. De ce fait, le droit va revenir aux enfants. Rabbi Tarfon, c'est un peu plus délicat. Il pense, comme il nous dit le Bartanoir ici, il pense qu'en réalité, c'est vrai qu'ils ne peuvent pas récupérer des biens mobiliers, mais les biens mobiliers qui étaient à l'extérieur de la propriété des enfants, alors il faudra, ils auront oui un droit de récupérer ces biens. D'accord? Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Veser.